Bonjour mes gens, nos peuples camerounais méritent que la médiocrité, oui. C'est-à-dire que quand je regarde mon pays, je me dis que on faisait sûrement partie du peuple qui a tapé, lapidé, crucifié Jésus en guise de remerciement. Je vous explique, j'espère que vous avez bien dormi. Il se peut que Samuel Eto'o est encore combattu à la tête de la Fécafoot, oui, par le MINSEF, qui est le ministre des Sports, et les joueurs, des gros poltrons, des personnes qui sont censées avoir des gros membres, hein? Comme on dit souvent que les avocats au gros noyau sont encore plus poltrons que la population lambda. Pourtant, les gars vivent à l'extérieur, les gars ont leurs moyens, mais c'est encore eux qui savent se ramasser le savon plus que tout le monde. Le MINSEF avec son, comment dire ça, son coach qui manque de respect à l'icône d'une population, d'une nation, d'un continent. Et par ce biais, manque donc de respect à tout le continent entier, ont décidé une fois de plus de jouer au guignol. En faisant jouer les guignols qu'ils ont déjà comme les joueurs là, ceux qui les suivaient de façon moutonnière. C'est pas grave. Ils ont rabaissé Eto'o, rabaissé son, tout fait. On a dit, ok, les gens ont applaudi. Maintenant, Eto'o, vous savez, faites attention avec quelqu'un qui apprend sur le tas ou dans le tas. Celui qui apprend dans le tas se dit qu'il n'a pas droit à l'erreur. Il a envie de bien faire, alors il apprend bien ses leçons. Ils ont dit qu'il allait être coincé. Et ils s'en foutent, oui, le MINSEF et leur coach s'en foutent du Cameroun. Et des Camerounais, parce qu'ils savent très bien que le football est tout ce qu'on a encore comme fierté. Ils savent très bien que la CAF risque de nous suspendre parce que la CAF ne connaît qu'une seule infrastructure, la Fécafoot. Ils s'en foutent. Tout pour eux, c'est de rabaisser Eto'o. Ils ne voient pas que Eto'o, c'est un individu, mais le football, c'est une religion au Cameroun, non, en Afrique. Ils s'en foutent. Donc, ils ont décidé de jouer à Yaoundé, bref, de faire encore les guignols. Ce qu'ils ont oublié, c'est que Samuel est Eto'o fils. C'est quelqu'un, comme je disais, quand il apprend sur le tas, les autodidactes, il n'a pas droit à l'erreur. Donc, il avait toujours une petite, comment on dit chez nous, un petit caillou, un petit joker. Le gars a sorti dans l'histoire qu'on appelle le U20. Hey! Le U20, là, c'est comme pour dire que la carte finale, le joker final, c'est-à-dire qu'il avait déjà sa petite équipe qu'il avait gardée à côté. Parce qu'il savait que. Il connaît les gars, il a travaillé avec les gars, il sait que les gars n'ont pas de caractère et que les gars ne vont pas suivre la logique, ne vont pas protéger la vie, ils vont protéger plutôt leur ventre. Des fois dans la vie, il faut mieux faire jouer ta maturité ou bien hein, la vie là que vous voyez là, c'est pas toujours l'argent qu'on gagne. Des fois, il faut poser le caractère. Tu tapes la main sur la table. Tu te feras mieux respecter comme ça que celui à qui on donne 1 000 francs et baisse la culotte. Et c'est pas si tu comprends. Le gars a décidé de faire le U20. Quand il a décidé de faire ça, Aboubacar avait un sang, la panique. Tout le monde a commencé à paniquer. À l'heure qu'on vous parle ici, ils sont en train de porter le tchaka à Eto'o. Leur entraîneur a décidé de manquer de respect au même journalistes qui l'ont interviewé où il a rabaissé Samuel Eto'o. Ils étaient contents, ils ont relayé partout. Quand c'est comme ça, Zui, ne mets pas sur ces pages. Hein. Quand il y a un truc comme ça, que c'est Eto'o qui remporte, Zui ignore. Quand je vous dis que ce garçon est tout complexe, les petits hommes. Donc, voilà quelqu'un qu'on combat. Il n'est pas payé pour ce qu'il fait. Il ne touche pas un centime. Pour ce qu'il fait, mais vous le détestez. Vous aurez préféré prendre quelqu'un qui va détourner les sous, qui ne va pas payer les primes, qui ne va pas, comment dire ça, qui va passer son temps à nourrir vos influenceuses, qui ne va pas vous respecter, et j'en passe. C'est comme ça. Jésus est venu sur terre, il a tout donné. Il a même fait les miracles. On l'a remercié en le lapidant, en le crucifiant sur la croix. Nous, les Camerounais, là, le peuple, là, et vous demandez le changement, vous méritez le changement. En tout cas, Samuel Eto'o, fais ton travail. Chacun a sa mission sur terre. Toi, tu es venu mourir pour les Camerounais. Moi, je vous regarde ces mains et dis que le père, ta mère qui t'a accouché, non, c'est elle qui sait. Et c'est pour ça que tu vas toujours gagner. Parce que quand tu es droit dans tes baskets-là, on monte, on descend. Le Dieu est un Dieu qui supporte la justice. Tu es dans ta justice, papa.
courage.